Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis chez mon pote Franck. Donc, il a fait venir un acousticien. Donc, pour faire le paramétrage de ses enceintes d'InAudio. Donc, voilà, je vous avais déjà fait des vidéos de ces enceintes-là. Donc, qui sont en filtrage avec un filtrage actif. Voilà. Donc, là, vous pouvez voir le. Ça, c'est le processeur. C'est ça? Oui, c'est Que je ça. me plante pas, hein, les gars. Rectifiez-moi. Et donc du coup je suis avec Julien donc qui est acousticien et qui va nous parler un petit peu de la façon dont il traite l'acoustique de la pièce avec c'est une égalisation numérique, c'est ça? Oui, tout à Ok, fait. donc voilà. Bon, maintenant je vais lui laisser la parole et il va nous dire un peu qu'est-ce qui fait de beau avec tout ça. Donc bonjour Julien. Bonjour tout le monde, Ça va, tu donc vas je bien? me présente Julien, Echoes Audio. Donc Ok. voilà, on est en train d'égaliser un système. Donc premièrement, on doit séparer l'égalisation de l'enceinte en elle-même. Donc mon micro est placé là-bas, Vas-y, à n'hésite pas à nous montrer un peu tout en ça. semi-proximité de l'enceinte. Donc D'accord. pour mesurer uniquement la réponse de l'enceinte, donc c'est une mesure fenêtrée qui ne prend pas en compte la réponse de la salle. Et donc vous pouvez voir ici la réponse fenêtrée qui va nous servir à égaliser l'enceinte dans le médium aigu, surtout le haut médium aigu. Donc bon, c'est le résultat après égalisation. On voit qu'ici on a une petite bosse, mais en fait le fenêtrage donne une réponse simplifiée. La bosse n'existe D'accord. pas réellement en Et fait. quand tu dis juste fenêtrage, que les gens y comprennent, Alors, qu'est-ce que ça signifie? Parce que à mon avis, c'est un terme le précis. fenêtrage, c'est que lorsque l'on mesure une enceinte, donc c'est une mesure de la réponse impulsionnelle. Ouais. La réponse impulsionnelle, l'impulsion qu'on voit ici, c'est le premier front d'onde de l'enceinte, D'accord. donc que l'on mesure dans une chambre anéchoïque. Et ce que l'on peut voir après, à partir de ici, 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 ce sont des réflexions. Donc ici, c'est la réflexion du sol, ici, c'est la réflexion sur le mur latéral, D'accord. et ainsi de suite, les multiples réflexions. Donc, l'intérêt, le but, c'est de pouvoir mesurer l'enceinte en conditions anéchoïques, comme dans une chambre sourde. D'accord. Mais on est limité par ces réflexions, donc en fait, on doit fenêtrer et donc mettre des barrières pour pouvoir rejeter ces réflexions qui vont nuire à la qualité de la mesure. Et donc, je place mon curseur de manière à la rejeter. Donc, ce qui me donne donc cette réponse en fréquence que j'ai obtenue. Donc là, c'est la réponse en fréquence Donc ça c'est quand on a qui est fait les t'as fait égalisée. les mesures donc pour les enceintes Pour les enceintes, ça c'est d'InAudio, donc c'est uniquement pour les enceintes. voilà, c'est pour la pièce à Franck. Donc c'est ça. Donc Donc là au niveau des courbes, là si tu nous expliques un petit peu en détail rapidement Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est la que sur courbe. cette courbe verte, en fait, le fenêtrage m'indique qu'il y a une limite en fait de validité. Tout ce qui se passe en dessous de ce curseur jaune n'est pas du tout valide. Et D'accord. d'ailleurs, ce qui est entre 1 kHz et 500 Hz est très simplifié et très lissé. Donc la bosse en réalité n'existe pas vraiment. D'ailleurs, on a un autre fenêtrage qui apparaît ici et les bosses ne sont plus tout à fait au même endroit. D'accord. Donc c'est ce qui prouve bien que la réponse est simplifiée. Donc en fait, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est de prendre en compte tout ce qui va se passer vraiment au-dessus. Et D'accord. bon, là, je vous montre qu'une réponse dans un axe précis, mais en fait, en général, il faut mesurer une enceinte en multi-axe pour vérifier Ouais. que la réponse ne varie pas trop, etc., pour pouvoir faire une égalisation vraiment valide et correcte. Donc ça, c'est vraiment le premier point d'égalisation d'une enceinte. D'accord, ouais. Donc dans un salon qui n'est pas une chambre sourde, donc quand même avec des limites, et le fenêtrage peut permettre de quand même voir ce qui se passe réellement Ouais. dans le haut médium aigu. Donc c'est très important là le fenêtrage comme tu dis. Ah bah oui, bah pour la mesure, pour Ouais. vraiment voir ce que l'enceinte donne réellement sans la salle, oui, c'est obligatoire dans une D'accord. pièce. Après, sinon il faut être en chambre sourde Ouais, là c'est ou pas alors possible. sinon le mieux aussi c'est de se mettre dehors et Ouais. l'enceinte surélevée, éloignée de toutes les parois, ce qui nous permet de mettre un fenêtrage plus long et en fait de décaler la validité en basse fréquence. Donc on Est-ce que peut du coup t'as pas avoir la réverbération de la pièce en fait qui va Bah, venir c'est la première réflexion, du coup elle va arriver avec un temps de retard plus élevé par rapport à l'impulsion principale. Et donc on va avoir un temps d'intégration supérieur et donc une validité en fréquence plus basse. D'accord, ouais.
Mais je te cache pas que moi qui suis je suis une grosse brêle hein, dans tout ce que tu me dis là, j'ai du mal à assimiler, mais après les connaisseurs vont sûrement s'y retrouver. Mais Oui, en tout cas, c'est très intéressant. Mais du coup, les gens ils ne traitent pas beaucoup leurs pièces finalement. Non, alors après, il faut pas considérer une égalisation comme un traitement acoustique. L'égalisation vient affiner et en complément, mais une égalisation ne viendra jamais traiter un problème véritable d'acoustique, Voilà, comme la réverbération, comme ouais. l'arrivée des réflexions. Les réflexions, on peut essayer d'égaliser. Les réflexions, en général, ça va faire fluctuer fortement la courbe de réponse avec des creux et des bosses. Et en fait, on peut essayer de corriger ces creux et ces bosses. Si on décale le micro de quelques centimètres, la réflexion va arriver avec un temps un petit peu décalé. Les bosses et les creux vont être décalés aussi en fréquence. Donc en fait, c'est Faut que la inégalisable. pièce soit quand même déjà un minima. Ah, bah, c'est la base. La base, en fait, c'est déjà d'avoir une pièce qui soit correcte Correct, ouais. acoustiquement. Donc, en gérant le temps de réverbération, les premières réflexions, Ouais. etc., le régime modal pour éviter Est-ce que tu aurais d'avoir des des résonances. conseils au niveau de la pièce à donner, par exemple, ne serait-ce que pour l'acoustique, tu vois, Ouais. que ce soit pas Alors, trop réverbérant, enfin. bah, déjà, le conseil, c'est d'amortir. Donc, Ouais. c'est d'amortir un minimum. Et c'est. Oh, le truc le plus simple, c'est d'amortir avec un absorbant large bande, D'accord, hein, un truc qui ne cible pas. Mais bon, après, en fait, chaque cas est particulier. ouais. Ouais, voilà, chaque Donc, pièce est différente, tout ça. il n'existe pas de solution universelle pour tous Ouais, les cas. Donc, voilà. c'est pour ça qu'en général, on Il faut étudie. après justement les micros de mesure Oui, les micros de pour vraiment mesure. paramétrer au cas par cas en Oui, fait. oui. Ouais, c'est ça, c'est D'accord, ça, c'est ok. ça. Et là, j'ai vu, tu as du matériel, et est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce Oui, que c'est alors. que tout ça? Parce que du coup, il y a pas mal de Oui, choses. alors bon, voilà, j'ai une carte son hein, Ouais. standard qui me permet de sortir le signal, etc. Prendre le signal du micro, ça c'est un préampli micro, D'accord. donc spécial. Ok. Ça c'est une boîte qui me permet de passer d'une mesure d'impédance à une mesure de réponse en fréquence, Ok. et donc aussi pour mesurer les paramètres tiles et small des haut-parleurs. Ça c'est un amplificateur de 40 watts aussi qui peut me permettre de mesurer un haut-parleur ou l'impédance ou D'accord. etc. Et ce petit Ça boîtier. c'est un mini DSP AVR que j'utilise parfois pour calibrer des installations home cinéma D'accord, sur ok. les 7.1 canaux. Et là, Donc t'as aussi un petit. Le dernier petit boîtier, là, oh, c'est. ça c'est un maître laser, Voilà, comme voilà, je ça, m'en tu fais ta petite sers. calibration. Ouais, bah déjà ça me sert pour installer les enceintes et puis même pour prendre les codes de la pièce quand il y a besoin, pour Voilà. étudier une salle. Et au niveau du micro, je voulais te demander. Ouais. Là, en fait, quand tu fais ta mesure avec le micro, comment tu le cales, en fait, pour savoir que c'est la bonne distance, tout ça, par Alors la rapport bonne. à l'enceinte, tu. Alors y a plusieurs choses. La bonne distance, déjà, c'est par rapport à ce qu'on va vraiment vouloir mesurer, quels paramètres. Tout à l'heure, j'ai fait une coupure acoustique entre les HP de grave et les HP de médium. Et donc en fait, j'ai fait une mesure vraiment de proximité pour Voilà, ouais. avoir la réponse vraie de l'enceinte. Après, il y a toujours des limites dans chaque méthode de mesure et les mesures de proximité ne fonctionnent pas en haute fréquence, ne fonctionnent que en basse fréquence. D'accord. La limite étant le diamètre du haut-parleur. Plus le diamètre du haut-parleur est grand, et plus la limite va être bas en fréquence. D'accord. Donc, pour mesurer cette chose, donc là, on va faire une mesure de proximité. Pour mesurer après dans le médium aigu, donc en général, on essaie de s'écarter. La distance va dépendre surtout déjà de la taille de l'enceinte et de l'anthrax des haut-parleurs. Ouais. Là, sur un montage, on est sur un montage MTM. Sur un montage MTM, ça demande un peu plus de recul. Parce que, en fait, en proximité, on va quand même avoir un entracte qui va faire que la réponse va rapidement varier. Et en vertical, on a en plus des annulations qui vont se créer, ce qui est tout à fait normal avec un montage MTM, hein. D'accord, ouais. Les montages MTM, c'est fait vraiment pour être écouté, vraiment dans un axe bien précis. Donc Donc, c'est directif en c'est fait. directif en vertical. Ok. Ah oui, Donc. et d'ailleurs, tu m'en avais parlé tout à l'heure que à l'horizontale, si on met des enceintes comme ça à l'horizontale, ça va pas être bon Bah, au en niveau général, il faut du. surtout soigner la réponse polaire en horizontale parce Ouais. que, si vous voulez, sur je cherche mes mots pour que ce soit simple. Si vous voulez, en fait, c'est pour la spatialisation qui se fait vraiment latérale avec les réflexions en latéral. Et donc, par exemple, on parlait des enceintes centrales. En fait, l'enceinte centrale, si vous voulez, c'est que l'enceinte en MTM.
Dès qu'on va sortir de l'axe, ça va plus être bon. Alors que l'enceinte centrale, justement, normalement, elle est faite pour pouvoir être écoutée sur au moins partout, une rangée en fait. Avec plusieurs personnes. Ouais. C'est ce qui va faire que la voix va rester vraiment centrée et la scène va rester vraiment centrée, peu importe l'endroit. Bon, après, évidemment, si on se décale de trop, ça marche moins bien. Ouais. Mais donc, en fait, si on utilise une enceinte centrale avec un montage en MTM, on va se retrouver avec des annulations hors axe et en fait dès qu'on va sortir du centre de la exact, zone le son va être détérioré donc faut vraiment éviter. Bon, après il y a beaucoup d'enceintes qui ont deux haut-parleurs de chaque côté mais qui sont filtrées en 2,5 voix. Ouais. Donc là ça pose en général beaucoup moins de problèmes. D'accord. Pas du tout les mêmes problèmes. Et là au niveau de l'orientation parce que par exemple au niveau de l'orientation donc des enceintes, est-ce que donc, vu que c'est directif, comme tu m'as dit, il faut les orienter donc vers l'auditeur. Parce qu'il y en a, ils mettent les enceintes, tu sais, ils les mettent contre le... Oui, ils les mettent droite, en fait. Ouais, alors en fait, là, c'est directif en vertical. En horizontal, elles sont peu directives. Ouais. Bon, elles sont pas très directives, hein. De toute façon, c'est quand même des petits haut-parleurs. Donc, c'est assez peu directif. Donc, on peut les pincer, celles-ci, on peut les pincer un petit peu, mais on n'est pas obligé de les pincer fortement, vraiment dans l'axe. J'ai même trouvé qu'avec une réponse légèrement hors axe, la réponse est légèrement lissée en fait. D'accord. Donc là, elles sont plutôt pas mal configurées. Si tu les mets ça. Pas trop dans l'axe, ça va lisser le. Mais ça dépend des enceintes. D'accord. Ça dépend totalement des enceintes. D'une enceinte à une autre, ça va être totalement différent. Ça va dépendre aussi de la diffraction du baffle en fait. Ouais. Sur les bords, en fait, l'onde va se propager et il va se créer une diffraction, ce qu'on appelle le baffle step. Et donc, suivant l'axe où on va être, la réponse va fluctuer. D'accord. Donc, ces enceintes-là, normalement, sont prévues pour être montées sur des montages en in-wall, en studio. Et là, on n'a pas ce genre de choses. Ouais. Donc là, il n'y a pas de diffraction. D'accord. Donc, mais ça dépend des enceintes. Donc là, on ne peut pas prédire quelle enceinte. C'est sûr. Dans l'axe. Et puis, le recul du micro dépend également aussi de la proximité des réflexions en fait, des réflexions précoces. Si l'enceinte... Réflexions précoces ? Des premières réflexions. Tout à l'heure je parlais des premières réflexions et donc on appelle ça aussi des réflexions précoces. D'accord, ok. Et donc si l'enceinte... Qui arrive avant, comme le mot l'indique. On a du coup le micro va capter vraiment le front d'onde direct en premier. Ouais. Et en fait le front d'onde, lui, il va se propager dans tous les sens. Et donc en fait, si vous voulez... Le front d'onde va taper sur le sol et va arriver au micro avec un décalage de retard qui va être équivalent à la distance parcourue en plus par rapport à une ligne droite, quoi, si vous voulez. D'accord. Donc, on va avoir cette réflexion c'est du sûr. Sol, cette réflexion qui va tomber aussi sur le mur latéral, sur le plafond, etc. Et donc, en fait, plus l'enceinte va être éloignée de toutes les parois, plus la réflexion va arriver avec du délai, du retard, et plus on peut se permettre de reculer le micro. Car justement, en fait, la différence de temps d'arrivée entre la première réflexion et la réflexion principale va être identique. Voilà. Excuse-moi de te couper, mais d'où le fait peut-être au niveau du placement des enceintes entre les parois latérales et le mur arrière, qui a une distance aussi peut-être à respecter un minimum ou pas là, parce que en fait, c'est enceintes. Non, mais avec déjà, basse réflexe à l'avant, derrière, close, ça y joue peut-être. Oui, ça y joue. Après, ça dépend vraiment des enceintes. Ouais. Il y a des enceintes qui sont conçues pour être collées au mur, il y a des enceintes qui sont conçues pour être décalées des murs. Ouais. Après, ça dépend aussi énormément de ce qu'on appelle les interférences des réflexions par rapport aux parois, le sbire. Et donc, en fait, ce qui va modeler la réponse en basse fréquence. Donc, en fait, en général, déjà, il faut éviter de mettre les enceintes à la même hauteur, la même largeur et la même profondeur des parois, car on va cumuler les mêmes problèmes. Donc, en fait, on va avoir des creux ça va s'empirer, de forte amplitude et des bosses de forte amplitude également. Donc, en fait, il faut éviter de les placer sous les mêmes rapports de dimensionnement entre les parois. Mais après, ça tout dépend de l'enceinte, comment les ingénieurs les ont conçues. Concerne la proximité des parois, la proximité d'un. Comment ils ont prévu le placement, tout ça. C'est ça. Parce que dans les notices, ils en parlent. Plus on va placer l'enceinte proche d'une paroi, et plus on va avoir du gain dans le grave. Dans le grave, Donc, une enceinte
qui a un grave un peu court, on la place. Voilà, en fait, la tu peux égaliser déjà limite avec en la ouais, rapprochant voilà. un peu du mur, voire à l'écoute. Oui, c'est ça, déjà, d'accord. on peut. Mais pareil, hein, une enceinte qu'on va placer dans un angle, là, on va avoir un gain très fort dans le grave. Et ouais, bah donc, oui. Donc, il y a des enceintes où ça conviendra. Il y en a que ça va, à qui ça peut plaire, forcément. Il y a des shorts qui sont faites pour aller dans les angles. Ouais. Dans les angles. Et ouais, ouais. Donc voilà. Ok. Bah écoute, déjà tout ça c'est intéressant. Et t'as, voilà. tout à l'heure, t'avais fait aussi une autre égalisation avec le micro. Donc là, ça c'était ouais. la première partie. Donc, voilà, oui. Donc où t'avais ça, fait avec l'enceinte. Ouais, c'est ça. Et ensuite, la deuxième avec la pièce. Ensuite, je mesure l'enceinte dans la pièce en intégrant les réflexions, la réverbération. Voilà. Et le ça c'est la deuxième partie. Donc en fait, je fais des mesures multimicro que je déplace ou ouais. mesures MMM aussi également, ouais. qui est en général un peu plus rapide. Et ce qui me permet de définir une allure de courbe ouais, ouais. et le régime modal, les bosses, les creux, etc. Voilà, ouais. Donc il faut définir une égalisation. À partir aussi d'un bruit rose, t'as mis un oui, bruit rose là, et t'as fait ton. Là, c'est la méthode MMM avec un bruit rose ouais. en déplaçant le micro. Ça va faire une mesure multiposition. Voilà, ouais. Que ce soit pas précis parce que si tu te mets que là, en fait, du coup, t'auras pas les autres. En fait, au niveau des autres endroits, t'auras si pas on la fait même. Si on mesure par impulsion, comme je vous ai montré ouais. tout à l'heure, en un seul point, si on déplace le micro de 30 cm ou 40 cm, la réponse va être pas mal modifiée, surtout ouais. dans le grave et puis même dans le médium, les réflexions ne seront plus les mêmes, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, en général, on fait des mesures soit multiposition moyennée, ouais. on va faire de nombreuses mesures à différents points. Et oui, voilà, placer le micro à plusieurs endroits. Ouais. Définie sur la zone d'écoute. Et ou sinon, on a la méthode MMM qui est assez rapide. C'est avec un bruit rose et en fait, on va faire un balayage avec ouais. le micro, ce qui va faire une moyenne spatiale en fait, ce qui va nous donner une courbe moyenne, ouais. donc moyennée sur toute une zone et ce qui va nous permettre de définir une égalisation dans la pièce. D'accord. Donc voilà, et là. Donc là, après, au résultat final, donc là, on a ça, mais ça, donc ça, c'est le logiciel du processeur. Ouais, c'est voilà, le Lake. Du processeur donc le Lake. Processeur, c'est un Lake LM26. Donc, très très bon. Donc ça, processeur. C'est réputé pour être dans les. Enfin, ça, c'est utilisé dans le monde professionnel en général, voilà, voilà en touring, etc. Donc après, les Dynaudio M3. Des séries M3 normalement sont amplifiées avec des labs Groupen 10000Q, ouais. PLM 10000Q, et en fait les PLM intègrent en fait un processeur de filtrage de type LM. Donc là il n'y avait pas l'ampli, donc en fait l'ampli c'est un PowerSoft M28Q. Ouais, si tu peux le sortir, vas-y, on peut le voir un peu. C'est vrai que c'est des amplis très très fins. C'est des amplis pro en classe D. Très fin, très léger et du coup plutôt c'est... d'un bon rapport qualité-prix, assez puissant. Qui peut se loger. Oui, ça prend vraiment pas de place. Ça ouais, pas ouais. Et donc, le Lake qui va remplacer le module de filtrage qui est intégré dans les PLM. Mais donc, ça, tout. Enfin, les personnes, un citoyen lambda, il va pas pouvoir configurer. Ah, bah.